Je vous présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV. L'un des meilleurs lycées de France. Ah, c'est le meilleur. Je vous rends les dissertations. Antoine, 5. Il faudra envisager un autre établissement, je pense. Isabelle, votre ignorance est tout à fait attendrissante. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue. On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Bonjour, je suis François Foucault. Je suis absolument ravi de rejoindre votre équipe. Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours ce... Les Grecs. Vous dites quelque chose, les Grecs? Ouais, les kebabs. Où est votre carnet? Dans mon sac. Alors donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chat. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. Ce collège, là, ces gamins, j'en peux plus. Hein. C'est impossible de leur faire cours, j'y arrive pas. Redressez-vous immédiatement. Vas-y, lâche-moi! Zampano! Ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations, donc ils se croient idiots. Toi, tu te rends pas compte. Mais c'est sur la tête de maman, je vais te pucer. On va faire un petit exercice de grammaire. Ça, il fait chier avec sa grammaire. Ce qui nous donne, j'ai envie de pisser où? Sur la tête de ma mère. Il y a deux gamins dans la chambre du roi. Ok, j'y vais. Mais arrêtez, c'est pas drôle. Non, mais c'était remarquable, non?